La caméra, je vais la remettre. Et ça ne veut toujours pas. Ah. D'accord. Nigozo Mena. Avec mon micro. Là j'ai un problème avec mon micro et avec mon... Surtout qu'en plus, il y a Croque Mouquet là ce soir. Enfin, c'est un bon midi. Ok, je vais modifier mon micro, est-ce que c'est mieux? Ah, il y a... Ok, en fait, je l'ai passé en mono, donc si c'est mieux, c'est cool. Par contre, je comprends parce qu'il n'y a pas la caméra. Parce que le truc me détecte bien ma caméra, mais il ne veut pas la lancer. Parce que c'est que ma caméra fonctionne bien là, c'est ça qui est. Ah! Ah! Ça a marché, ça marche, ça marche. Eh bien, Nico Zoom, moi aussi. C'est son jeu, peut-être. Le son est trop fort, tu me dis, le son du jeu? Hop. Hop là. Voilà, là, c'est mieux le look du son. Et regardez, le croque-mouille est là aujourd'hui. La star, elle est là. Oh oui, ma petite star. Alors, j'étais pas là la semaine dernière, hein, mais... par rapport à toi, finalement j'ai réglé le truc. Donc j'étais pas là la semaine dernière parce que j'étais parti en vacances, je suis revenu, donc il me reste encore... Normalement j'aurais dû travailler, le souci c'est que je me suis fait mal durant les vacances, donc du coup... je suis avec vous aujourd'hui. T'as avec des cookies ou quoi? Non, 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 même pas, il est lui-même. Alors, je suis paumé, où est-ce qu'il faut que j'aille? Oula, oula. J'ai mangé, j'ai des trucs, j'ai du souffle.
Oula, 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 oula. On va essayer de rentrer à la maison. C'est que je me suis. J'avoue, j'aurais dû relancer le jeu. Le pire, c'est que Vacobi m'a dit ouais, tu vas une petite partie, de repartir sur Backcrafter, sans te remettre dans le jeu un petit peu, on va pas te relancer. Il dit je vois un autre jeu, il y avait une mise à jour sur Battlefield et j'y joue à Battlefield. Ah, c'est par là, c'est par là, c'est par là. Alors, aujourd'hui, le but, ça va être chercher de l'uranium. Alors, je sais que normalement, par là-bas, je crois que c'est par là-bas ou par là-bas, il y a de l'uranium. Donc on va prendre ce qu'il faut pour aller faire une explo. Là, je vais ramener ce que j'ai sur moi pour l'instant. J'ai quoi sur moi? J'ai une petite chose sympathique. Ouais, bah bravo, oui. Ouais, j'aurais dû écouter ma copine. Eh oui, faut toujours écouter sa copine. Alors, je suis en train de voir que ma caméra bouge un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais la réduire un petit peu et je vais la transférer en haut à gauche. Normalement, ça ne devrait pas gêner au niveau de la partie. Il commence à faire nuit. Là, c'est le premier vaisseau qu'on a exploré. La maison, elle est là-bas. Là-bas. Voilà. Je me suis fait mon petit café. Avec une belle tasse qui corne. Qui m'a été offerte par ma copine. On se voit que tout le monde que je l'ai. Hein. Parce que j'aime bien les licornes. Je trouve ça mignon. Alors là, j'ai vu. On vient de débloquer le Biolab. Et le Biolab, ça va être sympa. On va pouvoir faire pas mal de choses dedans. Hop là. Allez, on va déjà commencer par ça. Qu'est-ce qu'on a débloqué avec ça? Le satellite GPS T1. C'est pas mal. Et la lampe de zone. Ah, j'ai toujours pas le plan que je veux. Le plan que je voudrais à tout prix, c'est. Oui, j'ai dit que j'allais déplacer. Je vais le faire maintenant, tiens. Tant que tu me fais penser. Voilà, ça devrait être mieux comme ça. Mettre dedans, hein. Je me souviens des touches, super alliage, on en a un petit peu de l'alu. Donc là, au niveau du son, c'est comment? C'est bien ou pas? Sticker, on a fait rêver celle-là. Hein. Hop, voilà. Alors, on va partir chercher de l'uranium pour une chose, c'est que regardez, j'ai plus que 9 d'énergie et clairement j'ai encore beaucoup de choses à faire parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Hein. Et le problème, c'est que j'ai qu'un seul réacteur nucléaire. Donc là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il me faudrait peut-être un générateur de plus. Je vois que pour tout ce qui est les faux, j'en ai que 3. Je vais en avoir 4e. Il faudrait que je fasse ce genre de choses. Alors, en fait, il y aurait beaucoup de choses que je voudrais faire pour augmenter ma terraformation. Voilà, c'est que ce qui me fait énormément défaut pour l'instant, c'est l'énergie. Et là, quand on voit. Attendez, que je sais. Non, c'est pas. Pour faire le Biolab, par exemple, qui est ici, il me faut 40 d'énergie. Voilà. J'ai les ressources, mais j'ai pas l'énergie, donc du coup, il va me falloir beaucoup d'uranium. Donc du coup, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est que là, voilà, 2 doses d'oxygène. Là, on va prendre de quoi faire un abri. Si je me souviens bien, un abri, il me faut 2 titanes, 1 cesium. Il me faut 3 fers normalement. Voilà, et bah du coup, bah on est parti. Le souci, c'est que j'ai pas la map.
je peux pas encore le faire, l'écran ne va pas. Non. Parce que du coup, il me faut là. Il me faut la fusée du coup de GPS, mais pour faire la fusée, il me faut le lanceur de fusée, sauf que j'ai pas l'énergie pour le lanceur de fusée. Voilà. Donc mission uranium. Bon, j'espère que vos vacances se sont bien passées. Pour ceux qui ont encore qu'on a eu. Et bon bah c'est la dernière semaine avant d'avoir la reprise de l'école. Hein. Ouais, pareil, moi je reprends les cours lundi. Ouais, oui. Toutes les bonnes choses ont une fin. Alors, de l'uranium, normalement, c'est par là-bas. Mais alors, je ne sais plus exactement où par là-bas. On va dire ça, Wena. Voilà. Ouais, moi, je me suis un petit peu abîmé par les vacances. Je me suis fait mal au dos et au cervical. Ah bon, pour ceux qui sont habitués au stream, vous savez très bien que je me suis légèrement bousillé les cervicales à un moment à cause du travail. Et bon, moi j'aurais pas toute ma vie. Hein. On fait avec, ça m'empêche pas de vivre. Et toi, Croque-Mou, ça va? Et Croque-Mou va très bien. Croque-Mou va très bien. Quand je suis parti en vacances, j'ai mon frère qui est venu me nourrir. Et disons que Croque-Mou a pris un petit peu de poids. Ah, il a été bien nourri. Tant qu'ici c'est bon. Oui, bah oui, j'ai mon médecin qui me suit régulièrement. J'ai une très bonne kiné. J'ai une très bonne kiné qui est dans la ville à côté. Et franchement, j'ai pas à me plaindre. Elle est habituée à me suivre depuis maintenant quelques années. Hein. La pauvre, elle a pas de bol. Alors, l'uranium, est-ce que c'est ici? J'ai un grand doute que ce soit ici qu'on puisse trouver de l'uranium. Oh, du stargate. On va pas cracher dessus, hein. Non, il est la partie l'or. On fera plus tard. On va attendre le mail de. Je me souviens plus du nom du mec qui nous envoie les mails. Non, à mon avis, c'est pas ici, l'uranium. À mon avis, c'est plus loin encore. On va continuer à longer la falaise. Ah, je me souviens plus tout ce que c'est exactement. Parce que là, c'est le genre de choses que je peux voir facilement sur ma partie principale, ma partie solo, mais bon. Enfin, ma partie solo, c'est un jeu solo. Je dirais plutôt ma partie privée, voilà, la partie auquel je joue quand. Bah, quand je suis pas en stream, hein. Ah, un salite. Est-ce que ça vous donne des bonnes choses, ça? Ouais, que des trucs que je peux trouver facilement ailleurs, donc. Je vais arrêter plus tard pour ça. Alors, je vois qu'il y a un accès là-bas. La partie pas très très avancée hein, pour l'instant, hein. C'est encore au balbutiement comme on dirait. Alors, on a déjà eu un petit peu de pluie, j'attends qu'il y ait beaucoup plus de pluie pour vous montrer des choses sympathiques. Enfin, ça, faut que les météorites attendent quand je suis à la maison pour pouvoir récupérer les ressources. Hein. Son du jeu, ouais, bien sûr.
mieux là? Je vois qu'il y a une grotte qui commence à s'ouvrir. Est-ce que je peux, commencer à choper quelques ressources? Peut-être en rusant un petit peu. Ouais. Et du soufre et de l'osmium. Ah, c'est pas de l'uranium. Ah, misère de misère. Misère de misère. Par contre, ouais. Ah, ça commence à être. On verra ça la prochaine tempête, ouais, on verra ça. Hop, ah, il y a Crocoon qui est parti. Il en avait marre de moi. Il y a des chances. Sortir de là, hein. L'uranium, mais où est-ce que c'est déjà? Oh, je suis paumé. Je suis paumé. Alors, j'ai réussi à rentrer, par contre, est-ce que j'ai réussi à sortir? Oui. On va pas se paumer, on va essayer de trouver le chemin. Je sais pas si Marianne va passer aujourd'hui sur le stream. Ah bah oui, le jeu tour aussi, bon ça c'est. C'est celui que j'ai déjà vu ou c'est celui que j'ai déjà vu. Ah, il joue une structure là-bas. Je me souviens pas de celle-ci. Déjà venu ici ou pas? Ça me dit rien. Mais il n'y a pas ce que je cherche. Hein. Oui, j'ai tombé. Non, toujours pas. Allez, je demande juste de l'uranium, je demande grand chose. Ah, et je me suis paumé. Comment je sors d'ici? Quatre d'uranium, on va pas aller bien loin que ça, parce que je crois qu'il m'en faut combien pour faire ça? Il me faut pas derrière, du coup il m'en faut 9, je crois qu'il me reste que 2 à la maison. Ça nous en fait 6, ils en ont 3. Normalement c'est par ici. C'est parti. C'est de côté.
moi j'ai qu'une paumée. Je sais que j'ai aucun son d'adaptation, mais quand même. Ah. Ah, voilà. C'est vrai que ça devait être bon. Le cliché sur les protons ultimes. On les aime les protons, vous êtes quasiment voisins. L'uranium déjà. Je sais que normalement c'était après. Désolé, j'ai une affection de mini moi, je serai pas disponible quelques minutes. Ah, bon courage. Je sais ce que c'est. Oh. Oh. Oh, une grande zone comme ça. Peut-être qu'on va être bonheur là-dedans. Attendez, c'est le satellite qu'on a trouvé tout à l'heure? Non. C'est le même? Ah, celui-là, on peut pas le fouiller. J'ai mon plein qui regarde le stream du coup. Ah! Bonjour. Ah, j'ai mes enfants aussi qui regardent les rediffs. Ça les amuse. Bon, j'ai bien l'impression qu'on est en train de faire chou blanc là. C'est le grand vaisseau qu'on est parti voir tout à l'heure. Bah ouais, là il y a notre base et tout. Bah, je vais essayer de progresser par là-bas. Là, en direction nord. Faut bien expliquer les futurs geeks. Ah bah oui, la base. Bah, c'est pas une indication que j'ai reçue. Hein. Mais j'ai fait un jeu très tard. Enfin, je me suis mis au jeu vidéo très tard en fait. Hein. Je savais que ça existait parce que je jouais chez les copains ou... mes cousins en particulier, mais posséder ma propre console, c'est arrivé, c'est vraiment sur le tard. J'ai commencé à avoir ma première console à la maison, c'était une PS2. Donc pour vous dire, bon, il y a bien la Game Boy de mon père. Hein. Mon père était d'ailleurs, j'admirais mon père à jouer à Tetris. J'adorais voir regarder mon père jouer à Tetris. Mais ouais, la première console à la maison, ça a été la PS2. Et j'ai mon premier PC, j'avais. J'avais bien 18 ans. Hein. Je crois qu'on arrive en bout de truc. Donc je pense que c'est plus par là-bas. Hein. Allez, on n'a pas le jetpack. Hein. On le veut, le jetpack. Hein. Parce que pour ça, il faut que je fasse un moteur de fusée supplémentaire. Et pour faire un moteur de fusée, bah, il faut de l'uranium. En fait, j'ai grave besoin d'uranium. C'est une grotte, ça, non? Non, même pas. Hein. De la glace, du fer, du magnésium. Magnésium, titane, cobalt, silicium. Ouais, c'est des trucs de base, quoi. S'il vous plaît, un petit peu d'uranium. Je comprends pas, Doc, dans Retour à la Future, il en a facilement l'uranium.
J'ai Kenny qui va débarquer, j'ai rien de possible. Ok, bon courage! Zut, flûte et mute. De rien! Vivement les météorites qui vont ramener de l'uranium parce que là je crois que ça va pas être pour tout de suite. Oh il pleut, génial. Il pleut, c'est cool. Dans ce jeu on aime la pluie. Crevasse, rien. Ah, là, ça commence à être tendu là. Je trouve pas du tout ce qu'il faut. N'empêche, formater mon PC, ça lui a vraiment fait du bien. Ouais, il y a aussi le changement des pièces qui a fait que ça va aussi beaucoup arranger les choses, quoi. Bon. Non, toujours rien. Toujours rien. Alors là, c'est la misère, hein, au niveau des ressources. Hein. Ça, c'est le coffre qu'on a déjà vu, normalement. Alors, le problème c'est que j'ai aucun sens d'orientation et en plus là c'est un jeu où il n'y a pas de minimap et on peut pas ouvrir la map, il n'y a pas de touche map en fait. C'est un peu dommage d'ailleurs. Peut-être que pas avoir une minimap ça serait pas dérangeant, mais le fait de ne pas pouvoir plus tard ouvrir la map, genre par exemple dans un endroit on ouvre la map avec tout le matos qu'on a, genre quand on peut ouvrir ça, quand on peut ouvrir ça, ça pourrait dire que notre personnage il a déjà un écran quelque chose. Et le fait qu'il n'y ait pas de map tout court, hormis quand on est quand on construit justement un écran de map, je trouve ça un petit peu dommage. Ah, moi j'adore les cartes. Ouais, j'adore les cartes. Pareil pour moi, un livre, ça doit avoir une. Ça doit toujours avoir une carte. Oh. Oh. Oh oui, fais-moi plaisir. Ou pas. C'est tout? Ah bah non, il y a des trucs derrière. Attendez. Ça, j'avoue, je ne connais pas du tout parce que je crois pas l'avoir vu dans ma partie. Il y a masse de graines, il y a plein de choses. Il y a une com. Alors, je vois tout ce qu'il faut pour quitter cette planète. J'ai dû creuser pour venir pour trouver les ressources nécessaires à la construction d'une plateforme de lancement. Les tempêtes ont été moins fréquentes ces derniers temps. Je dois trouver un gros cratère de météores pour construire la plateforme au fond afin d'être protégé des vents. Les champs magnétiques de cette planète sont complètement fous. C'est la première fois que je vois ça de toute ma vie. Une fois de plus, je quitte ce refuge en espérant pouvoir y arriver. Il classe année 3040. Je ne me souviens plus en quelle année nous sommes nous. Et je vois que je vais mourir. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a rien pour me débloquer. C'est tout ce qu'il y a.
Donc, il a construit son truc près d'un cratère. Donc, du coup, s'il trouve un cratère, normalement, on trouvera de l'uranium. Le gros cratère, je crois que je l'ai même pas trouvé sur ma partie principale. Alors, on va manquer d'eau là. Par contre, je veux savoir. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est que. On va construire un abri vite fait. Fer et silicium. Silicium, j'en ai là. Ah. J'ai du petit peck sur le jeu là. Il nous faut du fer, du fer, du fer, du fer. Voilà, on va construire un. Et je prends un petit peu de glace, je vais me faire. Il faut au moins deux bouteilles d'eau, donc il me faut 4 de glace. Non, c'est un glace froid hein, pour par bouteille d'eau. Seulement je pouvais me faire au moins ne serait-ce que un d'uranium de plus et j'aurais assez pour refaire un nouveau générateur, mais je crois qu'on va pas avoir de bol. Non, je crois que là la chance elle est pas avec nous aujourd'hui. Trouver une nouvelle zone, du coup, un nouveau truc sympa. Je sais que sur ma partie principale, j'ai foutu des balises partout. J'ai foutu des balises pour tout et rien. Mais au moins, comme ça, je peux me repasser. Mais n'hésitez pas à me dire hein, si ça vous intéresse un jour que je fasse un petit tour dessus. Alors, évidemment, aussi, là, je m'adresse à YouTube parce que cet épisode sera bien sûr mis sur YouTube demain. Le lendemain de la distribution de ce stream. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir si vous voulez voir mon autre partie, pour voir où est-ce que j'en suis. Ouais, c'est comme t'as vu. Ça pourrait vous faire plaisir. Pareil pour ceux qui connaissent pas le jeu ou qui le découvrent petit à petit. Si vous voulez voir à quoi peut ressembler une partie qui est un peu plus avancée, bah n'hésitez pas à demander. Voilà. Je vous montrerai tout ça. Je vais essayer de voir par là-bas si on peut trouver quelque chose. De toute façon, tant qu'on devrait avoir trouvé ce vaisseau-là, techniquement on peut sauver facilement. Parce qu'à partir de ce vaisseau-là, il suffit de partir comme ça, contre la falaise, et on peut retrouver la maison facilement. Ah, il y a des beaux nuages là, vraiment. Et la maison, elle est là-bas. Oh, il y a un coffre là. Je suis pas sûr où c'est qu'on y soit déjà allé à ce coffre-là. Allez, un d'uranium, voire deux si je suis gourmande. Oui! Yes, 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 yes. Ça c'est cool, ça c'est cool. Par contre, je cherche à construire un habitat ici. Ah, ça se trouve, j'ai déjà construit un habitat au niveau de ce vaisseau. Ça pourrait être à voir si on est déjà venu ici. Mais clairement, je pense qu'on est déjà venu au niveau de ce vaisseau. On est déjà venu ici. Alors ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va faire une armoire. Ça. On va trier. Voilà. C'est mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Logiquement, je vais avoir assez pour pouvoir faire un générateur. Qu'est-ce qu'il faut avoir d'autre aussi? Super alliage et dodo, ça passe, ça passe. Par contre, je vais voir ce qui reste dans le coffre. Par contre, je me prends des espèces de meurs invisibles. C'est bizarre ça. Ça m'avait jamais fait.
que ça va être vachement utile ça. Je crois que je dois mettre un dans ma partie précédente. Je crois que j'en ai mis un. Donc avec quoi on en a combien? Comme j'ai dit, on en a 4, 5, 6, 7. Alors j'espère qu'il m'en reste vraiment 2 à la maison et pas un seul parce que sinon bah j'aurais fait tout ça pour rien. Oh, tout le monde. Déjà allé ici. Pas de venir, moi. Ah non, on n'est pas devenu ici. Ça c'est sûr et certain ça. Alors, c'était I-Class en 3037, donc du coup 3 ans. Notre vaisseau s'est écrasé pour une raison inconnue sur cette planète. Beaucoup d'entre nous sont morts sur le coup, certains d'entre nous sont morts à la surface. Je suis le seul survivant, j'essaie de survivre, mais cette terre est hostile, ma survie, sa santé faiblit. Je sors d'une fois pour essayer de trouver de l'eau. C'était en 3040, hein, l'eau d'avant. Ça y est, perte de mémoire. Donc du coup... À mon avis, lui, il vient de ce vaisseau-là. Et du coup, si d'autres ont réussi à survivre au début, sont morts après. Par contre, dans ce jeu, j'ai l'impression qu'on ne verra jamais un seul corps. Clairement. Clairement. J'ai pas souvenir sur d'autres streams qu'on ait vu des corps. Ah, par contre, je vois qu'il y a encore des trucs là-bas. Et là, on va rentrer à la maison. On va faire un petit arrière là-bas pour prendre l'oxygène. Oui, on va se dépêcher d'ailleurs prendre de l'oxygène parce qu'on va mourir. Je vais mourir. Et je suis pas morte. J'espère qu'il y en a vraiment 2 dans mon coffre, je me souviens plus du tout. Quand je vous dis que j'ai aucune mémoire, hein, c'est impressionnant. Hein. Et pourtant c'était il y a moins d'une heure hein, quand on est parti de la base. Hein. On est parti il y a quoi, il y a 20 minutes? Le liquide bientôt on oh, ça avance même à grands pas là. Alors verdict, il n'y en a qu'un, il m'en manque un. Bon, bah, en fait, on est tous assortis pour rien du coup. Joie. On va construire un coffre pour le soufre. J'aurais plus de mémoire, ça serait pas arrivé ça. On va se réjouir en disant qu'on va pouvoir faire le jetpack. Voilà, on va pouvoir faire le jetpack. Alors, techniquement si. Après, il faudrait que je recycle un moteur de fusée pour récupérer l'uranium pour pouvoir faire ça. Que lui il faut 12 d'énergie et 12,5 et j'ai pas assez pour le construire. Bon, en fait c'est mort. Voilà. Bon, allez, pour le fun on va voir ce qu'on a débloqué. Le truc inutile.
bâton. Parce que oui, c'est vraiment, il en faut vraiment pile, ouais. C'est ça. Bon, déjà, on va prendre ça, comme ça on pourra explorer plus loin. On va refaire un 3 pour l'uranium. Je commence à manquer de place, moi. On va essayer de partir de l'autre côté. Là, il me faut un titane. Oui, effectivement, on va occuper ça. Qu'est-ce qu'on va débloquer prochainement? Bon, là, on en a eu moins. Là, on en est très très loin. Oui, encore loin. Alors, c'est bien, le réacteur nucléaire T2, oui, on n'arrive même pas à faire des T1. Ça prend grand chose. Bon, bah, on va prendre des ressources et on va repartir à l'exploration. Hein. D'oxygène, je crois. Bon, je vais chercher du cobalt et je vais en refaire. Ah, par contre, ça c'est génial. Ça. On va partir avec allez, 2 bouteilles d'oxygène, ça nous a bien servi. Qu'est-ce qu'il faut? Donc, 1 de fer, 2 de fer, 3 de fer. Alors, ensuite, titane. Titane et un cesium. Voilà. Bon, on va partir un peu plus loin que la zone à l'U et on va voir si on peut trouver de l'uranium là-bas. Voilà. Dans le chat, n'hésitez pas à me dire si ça vous trouve l'uranium parce que je suis vraiment en galère. Je suis vraiment en galère. Alors, pas ici, je crois qu'à un moment, il y avait un coffre par ici. Ouf. Oh oui, un coffre doré. Yes! Je vais pouvoir faire 2 générateurs. Ah, c'est cool, en plus une graine dorée. Ah bah là, on prend tout. Oh là là. J'allais pour trouver un coffre bleu de base. Et je tombe sur un coffre doré. Et réellement, j'y suis allé en mode YOLO. Clairement, je m'attendais pas à trouver. Du coup. 6 super alliages et 4 d'eau. Alors. Et 4 d'eau. Finalement, on va ranger tout ça. Pour l'instant. La graine dorée, on va la mettre maintenant. Quoique. Parce que non, il ne faut rien mettre. Pas ça.
T'as dit, je me plombe un petit peu là. Quoique. Bon, c'est un peu caché, mais bon, c'est pas grave. Voilà, alors, j'en ai dit 6 et 4 d'eau. Allez, zouf! Ça va faire du bien. Comme ça, tu pourras virer des éoliennes et des anciens panneaux solaires, les petits. Parce que ça, c'est combien que ça produit? 86. Oh là là, là, ça va être bizance au niveau d'énergie, hein. D'énergie, oh, 182. Ah, c'est beau. Alors, les éoliennes, on peut les virer sans souci. Ça ne fait que 8,40. Voilà. Et là, ça dégage un peu plus la zone. C'est génial. Alors, ensuite. Du coup, qu'est-ce qu'on voulait construire? Il y avait ceci qui consomme 34. J'ai largement ce qu'il faut pour. On va la faire. Ce que du coup, je n'ai plus d'iridium, du coup, je peux plus faire de réacteur de fusée. Et on a plus de réacteur de fusée. Ah, si j'avais su, j'aurais attendu. Sachant qu'en plus en faisant certaines fusées on peut avoir de l'uranium qui tombe. Je regrette. Je regrette. Donc ça pour l'instant ça nous sert à rien. On va faire le biolab. Le biolab. 2 osmium, 3 superliage et 1 aluminium. 3. Tac. Non, je suis en train de mourir. Ah si, c'est ça. Et 2 osmium. On va le faire où? On va le faire où? On va pouvoir voler, c'est juste... C'est juste... C'est tellement génial. Oui, mais... Hein? Alors oui, je sais, ça flotte dans les airs, ça n'a rien de cohérent. Mais de toute façon, on va mettre des grands trucs ici. Donc normalement, ça flottera plus dans les airs. Vous inquiétez pas. Vous allez voir, ça va être beau. Oh oui, regardez, c'est beau. Par contre, faut faire tout le tour. Voilà, donc ici, vous pouvez faire du coup les enchantillons de bactéries, tout ce qui est bioplastique, les engrais, la poudre explosive et les mutagènes. Tout ça, ça nous servira plus tard pour pouvoir faire tout ce qui est... il y a beaucoup de choses, hein. Il y aura certaines constructions, certaines machines qui fonctionneront avec ça. Il y aura beaucoup de choses à faire, hein. Notamment pour faire des animaux, pour pouvoir faire des insectes. Beaucoup de choses. Donc du coup ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais augmenter un truc qui ne monte pas très très vite. Je vois que l'oxygène ne monte pas très vite. Hein. C'est quoi le truc qu'on est? Plus à la ramasse pour débloquer un truc. Ah clairement c'est ça. Hein. Salut Awena, t'as loupé un truc mais j'ai eu un bol monstre. Alors je suis revenu de l'uranium et en fait je pensais qu'il m'en restait deux dans mon coffre mais moi il m'en restait un. C'est qu'il m'en manquait un supplémentaire pour pouvoir faire justement ma barre d'uranium pour pouvoir faire un générateur. Du coup je me dis je vais partir par là-bas. Au niveau de la zone à lui pour j'ai un petit message. Ah ça a juste deux secondes.
mettre le jeu en pause 2 secondes. Juste répondre à un message. Je reviens. Ok, mais voilà, désolé, il fallait que je réponde à un message. Alors, quoi, donc du coup, je disais, j'allais vers la zone Alu en me disant, bon, bah, c'est trouver une zone tranquillement pour trouver l'uranium. Et je me suis rappelé qu'il y avait un coffre sous une pierre. Je me suis dit, je vais aller voir, je m'attendais à trouver un coffre bleu. Là, je tombe sur un coffre doré. Et dedans, il y avait un d'uranium et surtout une barre d'uranium complète. Donc, j'ai pu faire 2 générateurs supplémentaires. Voilà! Et je me dis, et en plus, j'ai fait le jetpack. Par contre, j'aurais pas dû le faire parce que j'aurais dû garder un moteur de fusée parce que j'avais enfin assez d'énergie pour pouvoir faire les fusées qui donnent du uranium. Sinon, j'aurais pu faire beaucoup plus d'uranium et me faire facilement des réacteurs de fusée. Donc là, il faut que il me refaut un uranium pour pouvoir faire des fusées. Je suis dégoûté. Je me dis qu'on va quand même le faire ça. 3 de sperliage, 3 de titane et 3 de fer. On va faire. Alors avant, j'avais été par ici, là, je vais par ici. Quoi que, j'aurais pas le placer. Peut-être plus par là. Non, allez, on va la mettre là-bas. Ah, mais ça y est, on a les extracteurs. Ça, j'en mets un pour la lue. Ça consomme combien? 34. Oh. Je parlais pas que ça coûtait aussi cher. Et voilà la plateforme de lancement. Donc en fait, c'est ultra simple. Il suffit de monter. Et là en fait on a les plans des fusées. Donc là on a justement attaché son astéroïde. Du coup ça multiplie la chaleur.
Donc du coup là c'est pour faire de l'uranium. En fait on va avoir l'uranium qui va tomber. Là c'est pour l'iridium et ça augmente la pression. Et on a également la GPS qu'on a eu tout à l'heure. On a bloqué tout à l'heure. Mais là c'est vraiment ça de l'uranium qui m'aurait plu mais. Bah, je me dis qu'on va quand même partir à l'exploration pour essayer de trouver de l'uranium. C'est vrai que j'avais fait ça moi. Je suis passé 3 fois devant, j'ai même pas fait gaffe. On va prendre de quoi faire un abri. 3. 1, 2. Et. Ah! Voilà. Et bah on est parti! Ouais, c'est sûr qu'il y a encore un petit peu d'uranium. Ah, je suis très gourmand dans l'uranium. Donc ouais, le coffre il était là. Là ou là-bas. Mais le coup de bol. Non, il était là-bas. Mais le coup de bol quoi. Franchement, j'ai vraiment eu de la chance. Bon, sûrement que je suis allé sur le site des développeurs du jeu pour voir ce qu'ils feraient prochainement. Enfin, je vais me renseigner un petit peu avant la fin du stream. Bon, il nous reste encore une petite heure. Ne vous inquiétez pas. Ah, franchement, et le jetpack, c'est le feu. Hein. Là, clairement. Par contre, j'ai bien fait de baisser le son parce que le bruit du réacteur, enfin du jetpack est juste insupportable. Oh! T'as surveillé sa copine ces derniers jours? Alors à distance, oui! Je vais pas surveiller, je suis complètement confiance. La vieille blague de base. Regarde la Stargate! Le Chapaï. Alors, oui, je suis une énorme fan de Stargate. Oh, un uranium. Oh, mais. On a du bol, on a du bol. On va pouvoir faire un moteur de fusée. Pour faire le fusée, un uranium. Pour avoir encore plus d'uranium. Et je trouve que j'aurais dit beaucoup d'uranium dans cet épisode. Je saurais faire des montages. J'aurais fait un compteur uranium. Pour voir combien de fois je le dis dans l'épisode. Voilà, tout ça n'est pas besoin. Ah, par contre, le mien est bon. C'est con, on peut pas se dire qu'on va relancer un petit peu d'énergie pour avoir ne serait-ce que de la lumière. Ah, oui, de l'uranium là, il y en a plein, il y en a plein. Alors ça par contre, je trouve ça fourbe. On peut pas y accéder. Ah c'est fourbe. Le coffre mis là comme ça et en mode non, non, tu n'iras pas. Oh, il y a plein d'uranium. On peut s'occuper de l'alu. Je pourrais en faire des moteurs de fusée. Hop, petite micro-puce. Plus. Hop. Alors, je regarde juste là et après. Désolé, fais attention si tu vois une espèce de serpent chelou. Ah oui. La ref. Te faire par les devs. Hein? Ah pourquoi là je l'ai pas là?
Alors, plus tard, on pourra justement désaguiser ces choses-là pour choper des circuits imprimés qui vont être très pratiques. Oh, un message. Alors, au lieu de cette inauguration de la porte de distorsion spatiale, il a fallu 2 ans pour construire. Finalement, nous aurions pu atteindre facilement le secteur Isicial Prime. Mais juste après avoir allumé le réacteur principal, tout a mal tourné. Le courant a immédiatement baissé, tous les réacteurs et stabilisateurs se sont cassés. Et en quelques minutes, et le vaisseau spatial a été inexplicablement attiré par la planète la plus proche. Ils ont tout essayé pour le réparer, mais il semble qu'il n'y ait rien à faire. Tout l'équipage s'est échappé grâce au capot de sauvetage et envoyé un signal de détresse. Je vais à mon pod maintenant aussi. Quel gâchis, tous ces mois de travail, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Cela ne devrait pas dû arriver. En 3034, donc 4 ans, 3 ans avant que Isical se crash. Et. J'ai plus d'oxygène. Oh! Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. La sortie, la sortie, la sortie. Le coffinaté là. Ouais, c'est Claude Monceau quoi. C'est Claude Totally Spice. Alors, non, on va pas se connaître Totally Spice d'ailleurs. Là-dedans, alors ça c'est fait. Ensuite, on allait ici. Ici, on peut pas. Alors, ici, on y allait ou pas? Je dirais que non. Hein. Ah, bah non, bah non, on n'est pas allé pour trouver une barre de radium comme ça. C'est qu'on n'est pas. Et ça, on avait vu. Ça, on avait vu. Ça, c'est fait. Alors, tout ça ici, c'est fait. C'est fait. Alors, ensuite, cette partie-là. Et cette partie-là. Avec une grotte. Avec une grotte. Je me souviens pas de ça. Tout ce qui est planté et tout, on verra ça plus tard. Casier de stockage, mais il en détecte. Ouf. Ah, moi, c'est qu'il me détecte un truc, mais je sais pas du tout ce qu'il me détecte. Je vais louper un étage. Alors, ça, on peut pas le détruire. Allez! Ça se trouve, il y a que de la double là-dedans. Allez! Allez! Le jeu qui me bully. Sérieux. Bah, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On va pouvoir faire des moteurs de fusée. Hein. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Vraiment. La lumière de la lampe est chiante. Mais c'est un peu, je trouve. Ouais, j'avoue que ça éclaire pas vraiment. Ça éclaire vraiment très peu. Hein. Là, par contre, comment on fait pour rentrer à la maison? Oh, le canyon! Je vais le chercher justement parce que normalement par là-bas il y en a de l'uranium. Sauf que
que j'ai plus de quoi me faire un abri et je me dis je vais le laisser là. On va rentrer à la maison. Si on trouve le chemin. On va trouver le chemin. Il faudra pas se prendre de la hauteur. Par ici, c'est la zone à lu, donc du coup on va passer par la zone à lu. Oh, il y a l'abri à moi là-bas. D'ailleurs, je vais voir l'avancement, mais je crois qu'on va pouvoir commencer à avoir de l'eau liquide. Parce que c'est cool d'avoir un PC qui ne chauffe pas, enfin beaucoup moins qu'avant, et qui ne fait pas un bruit d'hélicoptère. Ah, sachant les anciens streams, hein. J'ai l'impression que le stream est fluide au niveau de la qualité de l'image, ce genre de choses. Voilà. C'est sûr, ouais. Alors, pour les moteurs de fusée, c'est 2 d'uranium, 1 d'iridium, et ah, c'est pas là, du coup, il faut que je fasse 3 moteurs de fusée. Hein. 2, 3, on va virer les deux supplémentaires. Voilà. Ensuite, 3 barres d'iridium et 3 superliages. 1, 2, 3. Si j'en fais 3, c'est pour faire les 3 fusées qu'on a pour l'instant disponibles. C'est pas. J'ai aucune mémoire. 3 superliages. Ça c'est fait. Ensuite voyons ce qu'on a débloqué. Nickel pour toi. Ah génial. Alors. Écran cartographie, ça va être pratique. Et grand module d'habitation. Voilà, c'était ça que je voulais. C'était ça que je voulais à tout prix. Voilà. Alors, 3 de fer, 3 de titane. Alors juste je fais ça vite fait. 3 de titane. Et 2 supérieurs. Et je vais voir si on peut directement remplacer. Parce que j'avoue, ça serait bien. On peut pas remplacer, faut tout détruire. Ah, ça, c'est moins cool, ça. Et regardez, vous voyez le grand espace que ça fait. C'est cool, hein. Bon, du coup, le sol, je préfère ce sol-là que ce sol-là. Ça lui fait un peu stérile, mais regardez, c'est quand même mieux qu'avec les poteaux. Ce que je vais faire, c'est qu'en off, je vais déplacer tous les coffres ici, voilà, pour faire une zone de stockage, et je vais sûrement pour du coup déconstruire toute cette partie là, pour mettre un autre grand module, et j'en mettrai sûrement aussi ici. Voilà. Au fur et à mesure, je vais déménager tout ce qu'on a pour le mettre dans les grands modules, pour en faire quelques modules, pas des grands modules. Et normalement, bah, ça rend mieux là. Voilà, ça flotte moins. Ça flotte moins. C'est cool. Voilà, maintenant on va voir pour les fusées. Qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, 2 superalliages et 3 cobalt. 2 superalliages et 3 silicium. Donc 4 superalliages. Seul. Ah
Je ne sais pas comment fonctionner. Boussole, il me faut silicium, magnésium, aluminium, aluminium. Ok. Alors, silicium, magnésium, aluminium, aluminium. Voilà. Et c'est que je la fasse. Hein. Voilà. Et c'est parti pour 3 lancements de fusée, 2 nuits en plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer d'abord celle de l'uranium, après je ferai celle de GPS et après je ferai celle d'iridium justement pour ne pas mélanger au niveau des ressources. Du coup, on va commencer par celle-ci. Et voilà. Moi j'adore le design des fusées dans ce jeu là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il y a un petit peu le modèle de fusée réutilisable qui est prévu par la. Par l'ESA et je suis une grande fan de l'ESA et c'est parti, premier lancement de fusée et je pense que ça sera un petit épisode, c'est du l'uranium et du fusée. Tu valides la voilà. Ah ouais c'est classe, là je vais juste la construire. Il y avait un peu de place et comme ça je vais pouvoir récupérer l'uranium. Alors, vous voyez là, là il y a des souris qui vont tomber. Bah ça du l'uranium. Voilà. Voilà. C'est tout. Ah je me disais aussi. C'est classe. Plutôt correct. C'est impressionnant le nombre de choses que je trouve classe sur ce jeu. Regarde, là ça marche pas. Attends que les rochers s'enlèvent. Alors par contre, contrairement à certaines ressources, notamment le super alliage. Pour l'uranium, on a le temps, de le ramasser, parce qu'en fait les ressources s'enlèvent avant que les ressources partent. Contrairement au séparage où là, par contre, bah, tout part en même temps. Et je trouve ça vraiment dommage. Oh là là là. Est-ce que vous voyez les réacteurs nucléaires là? Est-ce que vous les voyez? Moi là, je les imagine déjà là. Ah oui, je les imagine très très bien. On va faire aussi quelques moteurs de fusée aussi au passage. Oui, ça, clairement, oui, c'est un jeu de qualité. Hein. C'est le mot, c'est un jeu de qualité. Je manque d'oxygène. Ah, me dis pas que je vais mourir. On revient sur le petit pot du départ. Et deux fois que je manque de mourir. Alors regardez, la flaque d'eau. Eh oui, on commence à avoir de l'eau liquide. C'est cool hein. Plus tard, on pourra directement collecter l'eau comme ça. Et carrément, bah, la boire dedans. Et ça, franchement, c'est juste classe. Ah, je vous spoil des trucs, mais bon. Enfin, sans, je vous spoil, je vous ai pas spoilé l'or du jeu. Je vous spoil qu'il y en avait un. Je sais qu'Awena est une grande fan de l'or. Pour elle, un jeu sans l'or, c'est comme un hiver sans raclette. Ça ne peut pas exister. Mais tu sais, bien sûr, madame.
Ouais, pas faux. Pas faux. Faut que j'arrête de vivre dangereusement comme ça. Et donc, à savoir que je lancerai une fusée comme ça, alors à savoir que le bonus, je le garde, le bonus de 1000%, je le garde. Donc là, c'est pour la chaleur, je crois. Non, non, pour la pression. Je crois. Faut la vérifier parce que j'ai un. Là, j'ai un doute. Je vois pas de quoi tu parles. Alors, je les innocente comme ça. Non, c'était pas crédible, bah oui, non. C'était pas crédible. Là, t'es grillé à 15 bornes. C'est rentable pour 1 d'uranium. Voilà. 12. On a déjà 15. Et j'ai pas fini de ramasser. Hein. Donc, ouais, les fusées sont méga rentables sur les ressources. Hein. Sachant que l'uranium est juste une horreur à avoir. Hein. J'ai quand même fait quasiment un screen complet juste pour l'uranium. Hein. Par contre, là, j'avoue, le jetpack il fait du bien. Et là, il y a les rochers qui commencent à bouger. Je vais pouvoir commencer à en récupérer plus facilement. Le mieux, c'est de le faire de nuit parce que vu que l'uranium brille, bah en fait, du coup, c'est beaucoup plus simple. Ouais, bah oui, t'auras tenté, oui, c'est bien. Mais faut tenter. Hein. On pense que ça marche pas. Hop là. On va lancer la fusée GPS. Il faut aussi faire l'écran d'ailleurs. Il va avec. Bah, c'est celui-ci, il est sympa. J'aime bien avec les grands panneaux comme ça de communication. Alors, à savoir que des fois ça peut bugger. Il y a un truc qui rentre en collision et du coup la fusée au lieu de partir, bah, vraiment nickel, ça fait paf et boum. Ça peut se payer l'arbre, c'est payer un arbre. Mais au bout d'un moment, elle disparaît, le jeu compte quand même qu'elle est lancée, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire que même s'il y a un bug, ça passe. C'est-à-dire que le bug fait vraiment rire, quoi. C'est pas le. Comme on l'avait dit avec Anna, c'est pas le bug qui va vous bloquer le jeu, qui va littéralement bousiller votre expérience de jeu. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ah, celui-là, il n'est pas encore accessible. On va encore attendre un petit peu. Là, il y en a un. En même temps, je sais pas, mais un jeu peut-être moche, c'est l'or. Et là, ça peut être une pépite. J'avoue. C'est pour ça que certains vieux jeux, aujourd'hui sont juste un fait en termes de graphisme, bah, les jeux restent sympas à jouer parce que le lore est là, quoi. L'histoire est là. On parle souvent du gameplay, des graphismes, ce genre de choses, mais tout ce qui est l'écriture qui est autour du jeu, bah, elle est ultra importante. C'est quand même cette écriture qui donne l'essence même du jeu en lui-même, qui donne la direction qu'aura le jeu. Par exemple, alors là je vous citais forcément mon jeu préféré, hein, Mass Effect. Hein. Quand on regarde Mass Effect 1, voire même le 2, en termes de graphisme, le 1, il y pique les yeux. Hein. Je vous parle même pas en termes de gameplay où littéralement là ça pique tout court. Le gameplay maintenant, en termes de jouabilité, c'est juste horrible. Mais c'est pourtant un jeu que je referais avec grand plaisir parce que l'histoire, parce que j'adore l'histoire. J'adore l'histoire et puis il y a un sacré lore derrière quand même. Hein. En termes d'espèces et tout, avec toutes les espèces qu'il y a dedans, il y a ce qu'il faut quoi. Sans l'oreille, tu veux dire sans l'or, c'est ça? Parce que là-dessus, moi, je te rejoins. C'est sûr qu'il faut, oui, il faut minimum du gameplay, il faut que le jeu soit agréable à jouer. Faut qu'on puisse s'amuser et tout. Mais ouais, derrière, faut.
Après, il y a des gens qui jouent sans lore, hein, c'est ouvert à tous les fans de Call of Duty, quoi. Counter-Strike. Counter-Strike, il n'y a pas de lore derrière, pourtant, bah, le jeu peut se faire plaisir à y jouer. Mais après, c'est un FPS. Voilà. FPS multi, il n'y a pas de solo, il n'y a rien, il n'y a pas d'histoire derrière. On s'en fout des oreilles, c'est bien ce que je me disais. Voilà. Je crois que là, en termes d'uranium, on a quasiment tout récolté. De toute façon, ça reste encore un petit moment, hein, vous inquiétez pas. J'espère qu'il va faire nuit du coup pour vous montrer ce que ça va en pleine nuit du coup quand il y a de l'uranium de loin. Parce que du coup, on voit vraiment de loin vu que ça brille. Hein. D'ailleurs, c'est autant que notre perso ne commence pas à briller de lui-même avec tout l'uranium qu'il prend à la main. Ouais. Ouais. FIFA. Non, j'avais dit quand t'avais comment. Non. Oui, ça chie, FIFA. Je suis désolé de dire ça pour les fans de FIFA, mais je déteste le foot. Et je crois que je déteste encore plus les jeux de foot. Après, il y en a qui aiment, c'est bien pour eux, hein. Et mais moi, je ne supporte pas ce genre de jeu. Quand on voit le scandale qu'il y a eu là au niveau du foot féminin là, en Espagne, ça va pas me faire non plus le foot, hein. Ben au contraire. Hein. Un troisième para? Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, ça peut être utile. Surtout quand je joue sous, quand je fais la vaisselle. Pour faire le ménage, c'est pas mal. Et puis imagine, tu viens de faire les courses, tu rentres. Moi je fais mes courses avec une caisse. J'évite d'utiliser des sacs parce que c'est pas GGM pour la nature. Donc du coup j'ai des grosses caisses que je remplis. Et bah à chaque fois que je prends mes clés, il faut que je pose et tac. Et pour cette caisse, je peux regarder, hop, ma troisième main, hop, pour ouvrir la porte. Il y a eu quoi? En gros, il y a eu un. Ah, j'ai pas su toute l'affaire hein, parce que bon, c'est. Voilà. Il semblerait qu'il y a une joueuse qui a été embrassée de force par un dirigeant de la Ligue espagnole ou du comité mondial de foot. Et je crois qu'il y a eu plainte. Et en gros, plutôt que de virer ce mec-là, ce qui serait complètement mérité, la joueuse se prend un blâme pour. En gros, plus ou moins pour comportement inadapté. Et oui, tu m'as entendu, c'est la joueuse qui va prendre cher et qui va perdre complètement sa carrière parce qu'un gros dégueulasse a voulu faire ce qu'il voulait et tandis que lui a son poste, évidemment. Qu'est-ce que tu veux? Et le pire, c'est que je ne suis même pas surprise que ce genre de choses arrive. Même en 2023, ces genres de choses qui arriveront. Les victimes seront toujours diabolisées. Qui a tenté de l'équipe espagnole qui est en train de péter un câble justement pour ça, à juste titre. Mais bon, vous verrez, tu verras qu'il y aura toujours des gens pour dire que c'est justifié qu'elle soit virée et tout, ce genre de choses. Et pour dire qu'en quoi, bah, ce qu'il a fait, c'est totalement innocent, qu'il n'y a pas de raison de s'énerver et tout. Vomir avec
plaisir. Clairement, ouais. Ouais, n'hésite pas à y voir la fin, tu vas voir. Et... Voilà. Une journée ordinaire, quoi, je dirais. Alors. Maintenant, on a fait tout ça. Je voulais faire un chauffage supplémentaire. Dis-moi combien d'énergie là, parce que j'ai encore en GT1, 139, ça passe. Ça, je sais pas quoi de virer ça. Hein. À part si on passe sur le T2, j'arrive vraiment. Là, je fais combien en tout? 463. Faudrait que je vois pour faire quasiment le double. Ah, d'abord, on va faire ça cadeau. C'est cadeau, c'est cadeau. 3 spalia, j'ai un titane. 1, 2, 3. Oula, j'ai rien cherché d'ailleurs. Il y a un titane. Tac, on retire le petit sac à dos. Allez, on a commencé avec ça quand même. Hein. Et maintenant, on a ça. Et voilà. Normalement, là, c'est ce cadeau le plus grand qu'on a normalement. Toujours les femmes, oui. Toujours les femmes qui prennent cher. Il suffit de voir le nombre de femmes qui ont été victimes de viol et qui ont fini par les mêmes, qui ont fini par diaboliser à cause sont victimes. Je pourrais bien dire que ça me surprenne, mais bon, clairement, ça me surprendra jamais. Hein. Alors, on avait un nouvel écran à faire, c'est celui-ci. Ah, il me faut encore une boussole. Alors, c'est quoi déjà la boussole? C'est silicium, magnésium, aluminium. Silicium, magnésium, et deuxième. C'est beau. Les femmes ici, les hommes internommés, eux, ils sont à l'abri, surtout si c'est souhaité. Ah oui, et je sens que tu as un nom en tête, voire deux, notamment dans le milieu du cinéma. Nom un français. Défendu par Vincent Cassel d'ailleurs. Normalement, on peut empiler les écrans. Hein. Mais pourquoi ça va pas passer là? C'est bon? De la merde. Y'a pas du tout de colle pas. Oh. Ah bon. Ah bon, c'est sûr. Pourquoi je suis que j'arrive pas? Et sur mon autre partie, j'essaie de le faire nickel et là, j'y arrive pas du tout. Hein. Allez! Boutou votre pute, oui! Pourquoi arriver ici ça va plus? Je comprends pas. Comment j'avais fait? Ah, ça se trouve, c'est ça qui gêne. On peut voir tout ça pour l'instant. Donc au bout d'un moment, en fait, on aura deux autres satellites GPS qui nous donneront plus d'informations. Il y aura beaucoup de choses. Peut-être une joue derrière quelque chose. Ouais, c'est la figurine. Je sais pas pourtant que moi j'ai des figurines sur mon écran, mais ça me gêne pas. Hein. Le jeu qui est difficile. Alors, du coup, nouveau générateur. Où est-ce que je fous de cette merde, moi? Hop, allez, sur le coffre. Les eaux liquides, donc au coup on est en train de progresser sur les lacs tout doucement. Faut vraiment que j'augmente l'oxygène par contre.
Il a bu masse. Et les enfants, c'est pour ça qu'il faut ranger son bureau. Tout à fait. Tout à fait. Alors, cesium, titane, aluminium et platinium. J'ai déjà oublié ce qu'il me fallait. Aluminium, cesium, il m'en manque un. Titane. Ma mémoire, c'est vraiment une horreur. Hein. C'est vraiment une catastrophe. Nous a vus. On commence avec à manquer de titane. Ah oui, c'est vraiment tombé sur ma base. Hein. La vache. Ah, la question c'est est-ce que ça va passer? Ça rentre en collision. Ah. Ça rentre en collision. Je vais mettre là. Mais ça va faire un petit peu de ménage. Oh, un dernier. Voilà. Et vous, on voit de là l'uranium. Hein. C'est pour ça que c'est plus pratique de le ramasser de lui. J'espère qu'il fasse nuit pour montrer ça. Je suis contente. On va voir si les autres sites de crash qui en restent. Je crois pas. Hein. Je crois que j'ai vraiment tout ramassé. Hein. Là-bas, ça brille, mais c'est de l'iridium. On va quand même le ramasser aussi. Je crois que je vais refaire des emplois d'herbe justement pour augmenter l'oxygène et bah pour la production de biomasse aussi. En même temps, l'uranium, oui, tout ça, ça brille. Tchernobyl, Fukushima, tout ça, tout ça. Donc, c'est pour mon perso qui brille, c'est pas grave. Ça me dérange pas. J'imagine la mutation du personnage qui se met à briller dans la nuit. Alors, regardez ce flaque d'eau, hein. Vous avez vu? C'est beau. Plein là, enfin plein, je me comprends. Et ici, ça va se dégager petit à petit. Ah, c'était un beau morceau de roche, c'est ça. Hein. J'ai pas voulu prendre sur la tronche, je pense que ça aurait piqué. Allez, on va ranger ça dans les coffres. Ce qu'on va faire pour gagner un petit peu de place. Voilà. On commence à avoir trop d'uranium.
4, 5, 6, 7, 8, 9. On va faire buzzer à barnurium, comme ça ce sera fait. Voilà, comme ça ça prendra moins de place. Hein? Ah, franchement, là l'uranium ça fait vraiment plaisir. Alors ensuite, l'herbe. Aluminium, oula, il me faut des cannes du verre, moi. Ah, un, deux, je vais pouvoir en faire deux. Il m'en semble une énergie. Non, moi, ça me vaut pas, quand même pas mal. 98, la terre, on a quand même bien bouffé. Hein. Combien? 10, 13. Oh, ça passe. Ensuite, deux alus, deux magnésium. Et il va falloir 4 bouteilles d'eau. Ah, ça, je vais chercher directement dehors. Là. Voilà. Et c'est parti. Et là, on va en vendre l'herbe. J'ai hâte d'avoir les apporteurs d'art pour pouvoir mettre les arbres partout. Bah voilà, la pression ça monte. Ça monte même bien. Mais la biomasse on a doublé. Voilà, attends, qu'est-ce qu'on a déposé? Ça c'est à 50, on est très très loin. 63, on en a 3, donc on est très loin aussi. Bientôt les générateurs d'algues, mais vu qu'il n'y a pas encore assez d'eau, ça va pas le faire. Et ça, on en est à, je dirais, quasiment aux deux tiers. Et là-dedans. On est très très loin aussi. Là, générateur d'algues, on peut le faire, mais... Non, je peux même pas le faire, je crois. Attendez. Ça m'étonnerait, je crois qu'il n'y a pas assez d'eau pour l'instant. Aubergine, eau. Alors, aubergine, de l'eau, super alliage, et il manquait un truc, magnésium. Et on aura fait beaucoup de choses dans cet épisode. Hein. Le ça passe. J'avais pas vu ton message, désolé. Alors, vous voyez, des petits trous comme ça. Il y en a souvent à des endroits, et en fait, moi je. Pour les apporteurs d'art qui doivent se mettre dans l'eau, les terrains, en fait les terrains en dépendable, il faut qu'ils soient mis directement dans l'eau. Mais du coup, il y a une bonne partie autour, bah, du coup, autour, bah, il n'y a rien qui pousse dans l'eau directement. Donc, du coup, il n'y a que la partie de terre qui est juste à côté où ça pousse. Et du coup, j'ai trouvé que ce genre de choses, il y avait souvent. C'est-à-dire, il y a une petite plaque d'eau, et bah, il suffit de mettre les apporteurs d'art dedans, et du coup, il y a beaucoup plus d'arbres qui poussent. Je crois qu'en termes de production d'oxygène, c'est exactement la même chose. Mais c'est plus joli. Et regardez, alors au plus profond, c'est pas ici. Désolé, on commence à avoir de l'eau. Le plus profond, ça va être. Ça va être là. Assez profond, j'ai un gros doute de pouvoir le poser parce que là c'est mort. La pension, il n'y a rien parce que là on est en train de monter l'étape lac et clairement ici ça sera un lac. On va essayer de le poser, mais bon, ça marche. Et ça me fait des végétaux. Et beaucoup de. Oh, beaucoup d'oxygène! Non. Non, 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 non. 125 d'oxygène par seconde. 108. Ça m'en fait un tout petit peu plus. Par contre, ça fait moins de végétaux. Mais pour un tout petit peu moins d'oxygène. Franchement, on coupe les deux en même temps. Ça marche nickel. Une lune noire. Il y a eu la guerre hier soir. Et puis Foulo, ça me va être oui.
Il paraît que l'eau c'est, il paraît que l'eau c'est important. J'ai une connerie. Voilà. L'eau c'est important pour faire de la bière. Elle est si irrécupérable. Alors là-dedans, on a tout fait. Là-dedans. Je crois que la torche T2, on l'a pas fait. Mais la minage T3, on l'a fait ou pas? C'est fait. Ah voilà, la torche T2, on l'a pas fait. Du coup, on va en profiter pour faire la torche T2. Quoi, Wena? À savoir que l'humanité a commencé à faire de l'agriculture pour avoir de la bière. Techniquement. C'est pour ça qu'on a commencé à l'origine. Et il y a une connerie. Oui, c'est une connerie. Je crois que c'est ça. Hein. Oh mon pauvre croque-mou. C'est le chat des voisins qui est carrément rentré chez moi pour essayer de lui péter la gueule. Mon pauvre bébé. Voilà, je vais laisser tranquille. Alcoolique avant l'heure. La bière n'est pas la même. Ah bah oui, le brassage de la bière a changé entre temps. Fait peur. Encore moi j'étais bon. Alors j'encouragerai jamais à se battre, mais ce putain de chat, il... ça fait déjà deux fois qu'il rentre dans la maison, voire trois fois, pour essayer de péter la gueule à Croque-Mou. Parce qu'en fait, je vous explique, pour que Croque-Mou puisse circuler comme il veut, je laisse la porte fenêtre ouverte. Parce que je suis en question, du coup, je peux pas mettre de chatière. Et clairement, si un jour je déménage et si je peux déménager que mettre une chatière, je vais en mettre une. Alors ça va coûter cher et je suis pas fan de mettre des colliers à un chat. Toutes les restos parce que ils sont conçus pour se casser au cas où ils s'approchent. Mais je pense que je vais avoir une chatière avec qui s'ouvre avec la magnétique. Comme ça, il n'y a que lui qui peut rentrer. Oula, 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 c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, pas besoin pour l'instant. Ça, pas besoin. Je ferais bien un... Je sais pas ce qu'il faut pour pouvoir pousser tout ce qui est... Pour les sports. C'est pas les producteurs alimentaires, je crois, pour les sports. Moxie. Si, parce qu'il va falloir que je commence à faire une réserve là-dessus, parce que à savoir que tout ce qui est les sports de champignons, aubergines et il y a les il y a l'autre et les courges, Kaita ça puce, ouais. Franchement ça serait classe, franchement ça serait super bien, je kifferais, mais faudrait hacker la puce, faudrait hacker tout le système, c'est ce serait un gros système de boutique à faire, mais j'avoue l'idée est pas mal. Faut envoyer ça sur le foie poulain, ça pourrait leur plaire. Donc, du coup, je vais faire du coup deux végétubes, deux producteurs alimentaires supplémentaires. Qu'est-ce qu'il nous faut? Deux os, deux alu et deux fer. Euh...
Alors par contre, on va les mettre là. Le pire, c'est que ton idée, elle est vraiment pas con en plus, hein, Abonar. Franchement, ton idée, un truc qui serait directement connecté à la puce du chat, franchement, ça serait génial. Franchement, moi, je vote pour. Hein. Ah non, pas avec la puce, oui, c'est vrai que je dirais qu'il y a la puce, mais ce serait un problème, quoi. Oui, c'est une génie, oui, comme Léonard dans la BD. Non, là, ça prend trop de place. Mais j'avoue, franchement, l'idée, ça serait folle. Hein. J'avoue, la personne qui dépose un brevet pour ça, à mon avis, se fait de la moula. Hein. Ah, c'est une personne qui va se faire de la thune, hein, mais beaucoup. Alors, hop, là, je sais pas ce que je pourrais faire là. Je vais attendre qu'il y ait des choses qui se débloquent un petit peu. Du coup là je vais faire quelques coffres pour commencer. Parce que pour tout déménager et surtout pouvoir tout réorganiser au niveau des ressources entre le tier 1, le tier 2 et tout le reste. Aluminium. Je vais encore mettre une. Oh, ça pourrait être pas mal ça. Que je le vends en off, mais là je vais le faire avec vous, ça va être rapide. On peut pas dire que je coule sous les ressources. Ensuite ici on pourrait mettre du coup l'iridium. Voilà. Ensuite. Face là, ouais, en face. Ok, du coup soufre. Ce sera pas que de la domotique à programmer. Non, clairement ça serait un gros truc à faire. Le super alliage, on va pas aller loin avec ça. Hein. On va mettre le super alliage juste là d'ailleurs. Il reste combien? Il reste 5 minutes de stream. Bon, on va
Je vais faire un ressort là-dessus. Ah, j'ai oublié le cobalt. Il y aura le cobalt avant l'iridium. Même avant l'aluminium. Là, il y aura l'iridium. J'arrive pas à écrire. Hein. Donc du coup, là, on vient de débloquer les générateurs T2 nucléaires. On va pouvoir voir pour... On en fera un et pour se quitter là-dessus. Chercher le cobalt. Le soufre. Me paume dans les touches. Ah, si j'ai ça, en fait, c'est pour avoir un passage là. Ok. Alors ensuite, l'uranium. L'osmium, on va le mettre là aussi. J'en ai pas beaucoup, mais il y en a quand même. Voilà. Et après, bon, pour ça, je mettrai ça plus tard. Voilà. Bah, c'est déjà mieux. Par contre, ouais, la nuit, ça manque de lumière quand même. Hein. Ça manque vraiment de lumière. Alors, l'osmium, il est là. Si c'est pas beau comme ça, c'est bien comme ça, non? C'est mieux, c'est plus rangé, j'aime bien. Et pour finir cet épisode, du coup, trop par le gardien, mais une poudre explosive. Une poudre explosive? J'en ai pas. Comment on fait une poudre explosive? Deux soufre et un riz d'iridium. Le potentiel énergétique des deux. Avec une barre on fait 86, ça fait 3 barres on fait 331. Ah bah oui. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'il va sans uranium? Il me reste 10, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On pourra se permettre. Il fallait quoi d'autre du coup? J'ai oublié. 3 os et un super alliage. Mon dernier super alliage. Je crois que j'ai en recherché. Et 3 os. 1, 2, 3. Voilà. Et du coup, ça, on va pouvoir le virer. Attendez.
Ça va nous faire 331. Combien on produit pour l'instant? Pour l'instant, on produit 463. Oh, pff, ah oui. Ah oui, je vais pouvoir aller virer des panneaux solaires. J'aurais 220 de plus. Alors, voyons quoi ça ressemble. Ah oui, c'est plus gros. Ah oui. Ah, c'est beaucoup plus gros. Je vais en haut sûrement pour remplacer 3 comme ça pour par 1. Parce que je fasse tout pour l'explosif. Parce que je avant que je passe maintenant. Ça fait fort là. Ça fait même très très fort. C'était un dirigeur mais de souffre. Ah c'est ça. Je bois. Et j'ai mangé. C'est bon. Arrête de manquer. Comment je me fais bouillir? Quoi? Mange. Deux générateurs nucléaires T2 et on est monté à 749. Voilà, avec ces deux là on produit 200 de plus que ce qu'on produisait avant et du coup on a quand même réduit beaucoup de choses. Voilà, on a 314 d'énergie là pour l'instant, on est plus ou moins confortable hein. Franchement c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. T'as vu hein, j'ai des progrès hein. Et du coup, on a aussi récupéré pas mal de super alliages. J'avoue, ça fait plaisir. Et bah écoutez, ça fait 2 heures que je tourne, du coup, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord pour avoir toutes les infos que je peux donner. Il y a également le Twitter, mais bon, il est en plein travaux, hein, j'ai encore plein de choses à faire dessus. Il y a également la chaîne YouTube pour pouvoir retrouver la VOD. Et pour ceux qui arrivent directement sur YouTube, c'est la fin de l'épisode. On se retrouve. Alors, j'espère pouvoir streamer la semaine prochaine parce que, comme je vous l'ai dit, ça c'est la reprise de l'école. Et moi, je retourne en cours aussi la semaine prochaine. Je reprends mes cours aussi lundi. Voilà. À mon âge aussi, on peut aller à l'école. Hein. Ça n'empêche pas l'autre. Donc du coup j'espère que je vais pouvoir stream, donc du coup le prochain stream ça sera sur Hades. On est encore très loin d'être terminé, mais sur lequel je vais encore m'éclater un petit peu. Hein. Sachant que là j'essaie vraiment de progresser, d'avancer au maximum avec la lance. Et après bah, du coup je vais pouvoir créer la troisième arme et après je serai plus loin avec cette arme là aussi également. Sauf que pour l'instant on a l'égide, donc le bouclier qui est disponible et l'arc. Donc du coup je verrai ce que je prendrai la prochaine fois. Voilà. Aujourd'hui ce qu'on a fait c'est qu'on a fait pas mal d'énergie avec le nucléaire, beaucoup de nucléaire. On a envoyé 3 fusées, les 3 premières fusées de l'épisode. Et puis on a agrandi légèrement la base et on a commencé un petit peu à ranger tout ça mieux. Et on a également fait le biolab. Donc c'était assez productif. Voilà. Bon sur ce, bon je vous dis à la prochaine et juste à tous, bonne journée, bonne soirée. Ciao tout le monde.